Je crois que j'étais assez seule parce que j'avais pas de frères et sœurs. Du coup, je regardais beaucoup de films et ça me fascinait. Et le problème, c'est que j'étais très timide. Mais en tout cas, si j'avais des bonnes notes, je pouvais avoir des billets de train. Ça, c'était le deal avec mes parents. Et vu qu'ils n'étaient pas du tout du milieu, c'est par Internet que j'ai réussi à avoir des rendez-vous pour passer des essais. Voilà. Donc à force de persévérance et de patience. J'ai tourné. Je vois beaucoup plus des films européens qu'américains. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire du cinéma. Mais même à la télé, sur les chaînes, les jolies chaînes, quand j'étais petite, je ne pourrais pas citer des films qui m'ont donné envie, mais tout me donnait envie dès lors que ça avait l'air sombre. Je ne sais pas vraiment dire, mais. Par exemple, enfin là j'ai vu un western, il y a dernièrement un western norvégien, c'était The Order of Disappearance, et c'était tellement fin et drôle et bien joué, c'était tellement délicat. J'ai jamais vu de nos jours un western américain aussi bien fait, moins grand, moins plus réaliste. Il y a un film qui va sortir, une histoire d'amour entre un rocker et sa groupie, en anglais. Et c'est un film franco-suisse avec Karl Barat des Libertines qui joue le rocker, une apparition pardon, de Fanny Ardant et moi-même. Donc c'est un trio très joli. C'est une histoire d'amour sur une nuit et demie. Donc ça va sortir au courant de l'année. Et il y en a un autre avec Fanny Ardant aussi et Colin Morgan. Et c'est Waiting for You. C'est l'histoire d'un anglais qui part à la recherche de son passé en fin fond de France, fin fond de la France. Ah bah il est de qualité du coup, enfin ça fait du bien de pas. On a envie de tout voir, on n'a pas envie, on n'est pas en train de chercher celui qu'on veut voir, on a envie. Moi j'ai envie de tout voir en tout cas, je vais pas tout voir évidemment, mais ouais. Donc c'est très riche.